Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis de nouveau ravie d'être avec vous ce soir pour une nouvelle aventure extraterrestre. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 août 2024, il est 17h et j'ouvre la 34e visioconférence de la série des Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches. Comme vous le savez dorénavant, toutes les informations que je vous présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment grâce à mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit noir sur blanc et en audio. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de conversations noir sur blanc et en audio que j'ai enregistrées. Vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo YouTube numéro 2023, trait d'union 115, et dans mon livre Premier Contact. Aujourd'hui, nous allons découvrir les Vénusiens qui occupent le siège numéro 7 de la Fédération Galactique. Vénus est la deuxième planète depuis le Soleil dans notre système solaire Sol 13. Elle se situe à environ 0,28 unités astronomiques et à seulement environ 41 millions de kilomètres. Elle est plus proche du Soleil parce que, comme je l'ai déjà expliqué, Vénus a été, tout comme la Terre, impactée par les guerres sur Tiamat et sur Mars, suivie par la désintégration de Tiamat. Voici ce que m'en a dit Zen. Vénus, comme la Terre, a été inondée par l'eau de Tiamat qui se désintégra et ses vastes continents s'effondrèrent. Une intense activité volcanique densifia son atmosphère et la couvrit d'épais nuages opaques. Son orbite ralentit et s'inversa. Elle tourne de nos jours dans le sens opposé à celui des autres planètes. Parfois appelée planète sœur de la Terre en raison des similitudes relatives de leur diamètre, masse, proximité au Soleil et composition, Vénus est aussi très différente. Son champ magnétique est bien plus faible que celui de la Terre et elle possède une atmosphère beaucoup plus dense. Vénus est très proche de la Terre et a été un objectif privilégié pour les premières explorations spatiales terrestres. En 1950, c'est pendant la guerre froide et la course à l'espace qui s'instaure entre les USA et la Russie que la Russie développe un grand intérêt pour la planète Vénus. 10 ans plus tard, en 1960, les Soviétiques établissent un premier contact visuel avec Vénus et en 1970, ils y déposent avec succès la sonde Venera 7. Et un an plus tard, la mission Venera 9 a pris les premières images de la surface vénusienne. La colonisation soviétique de Vénus a commencé en 1985 par la Russie qui établira une présence permanente sur la planète Vénus. Les principales puissances terrestres sont installées sur la planète et elles continuent de détenir des colonies, dont certaines sont sous contrôle conjoint avec d'autres nations de la Terre au sein du consortium Terro extraterrestre. Toutes les zones océaniques ou continentales ont toutes été renommées avec des noms terriens, par exemple Terre d'Ishtar tout en haut, ou alors Terre d'Aphrodite sur le côté droit. D'après Zen, c'est une planète qui a été recouverte par l'eau de Tiamat et il n'y a aucun large continent. Il n'existe que de larges îles. C'est une planète paradis de style tropical, très confortable, avec un temps chaud et doux. Il n'y a pas d'orages extrêmes et elle a une activité non tectonique moyenne. Certaines des îles sont nommées d'après les noms terrestres, par exemple le Nouveau Kamtchatka fait référence à la péninsule russe, zone où il y a de nombreux phénomènes étranges et de nombreux vaisseaux spatiaux. Au milieu de la carte, la zone blanche appartient à l'État scientologique de l'Église scientologique depuis 1990
pour les nouveaux résidents scientologues. Cassini se trouve en bas à gauche, fait référence à une partie appartenant aux Français et aux Allemands. C'est une propriété conjointe. La famille Cassini est une famille d'origine italienne, naturalisée française, ayant compté parmi une lignée père-fils de 4 astronomes et cartographes renommés. On leur doit, entre autres, de nombreux travaux d'astronomie. Nova Britannica, la Nouvelle-Bretagne, la Grande-Bretagne. Kennedy est une zone américaine. Albany appartient à l'Écosse. Buffalo appartient au Nouveau-Québec. Saigo au Japon, la Chine et la Corée. Parlons maintenant des Vénusiens. Ils font partie de la lignée des humanoïdes célestes, en compagnie des Agartiens que nous allons voir bientôt, les Terriens, les Alphratiens Centauriens de Tau Ceti, les Ariens d'Orion, les Humites de Wolf 424, les Sassanis du Triangle, des Antariens d'Antares, des Syriens de Sirius et des Pléiadiens de l'amas des Pléiades dans le Taureau. Les Vénusiens ont été chassés vers d'autres lieux, c'est-à-dire les natifs qui habitaient sur Vénus à l'origine, ou des zones inaccueillantes par les nouveaux conquérants de Vénus, un peu comme les Indiens d'Amérique aux USA. Ils les ont chassés vers d'autres lieux ou des zones inaccueillantes, et les natifs sont devenus des immigrés sur leur propre planète, et ils vivent souvent dans des conditions déplorables. Des matériels récupérés pendant des guerres terrestres, comme pendant la guerre du Vietnam, ont été volés sur Terre avec quelquefois toute une armée et relocalisés sur Vénus dans certaines zones pour continuer la colonisation. Et il est une histoire sur Terre que tout un bataillon avec des chars avait disparu et personne ne les a jamais retrouvés. C'est d'après mes contacts qu'ils ont été tous abductés avec leurs chars et leur matériel et déposés sur Vénus, où ils ont continué à combattre pour les USA. Il y eut également de larges autoroutes spatiales entre Vénus et la Terre, de trafic d'humains, hommes, femmes et enfants, enfermés dans des cages et qui étaient volés sur Terre, abductés sur Terre par des bandes organisées et qui servaient comme nourriture, trafic d'organes, esclaves de labeur ou sexuels sur d'autres planètes dont Vénus. Les populations vénusiennes sont de 4 à 5 milliards. Ils n'ont pas besoin d'avoir de vaisseaux stationnés derrière la Lune car leur planète est proche de la Terre et ils ne sont pas militarisés. Ils viennent sur Terre en très grand nombre et depuis très longtemps, ils sont habitués à vivre sur Terre. Ils utilisent des vaisseaux sphériques du style Adamski, c'est-à-dire qu'avec 3 pieds. Ils font constamment des allers et retours entre Vénus et la Terre. Et lorsqu'ils viennent sur Terre, souvent via l'Antarctique, ils accueillent à bord les Agartiens des bases souterraines qui utilisent des vaisseaux spatiaux comme mode de transport vers Vénus et d'autres planètes. Les villes. Ils ont développé quelques villes assez grandes, des villages, des villes moyennes, de forme ronde. Les Vénusiens, avant leur colonisation, adoraient venir passer du temps sur les plages terriennes, notamment Saint-Tropez. Ils ressemblent tellement aux terriens qu'ils ne se font pas remarquer. Ils adorent aussi les glaces, notamment le sorbet au citron, qui est aussi ce que préfère Zen. Leur régime alimentaire, ils mangent des légumes, des fruits, des aliments industriels, des produits de la mer et beaucoup de poissons. Leur ADN, ils sont génétiquement identiques aux terriens. Leur apparence est également identique à celle des terriens. Ils sont environ 50% caucasiens, 50% de latinos. Ils ont donc la même morphologie, la même glande pinéale et le même corpus callosum et un cerveau à deux hémisphères, contrairement à certaines autres lignées extraterrestres. Leur mentalité, ils sont amicaux, paisibles, et ils adorent les arts sous toutes leurs formes. Ils adorent la musique terrienne, et la leur lui ressemble. Ils ont une société composée de 48% d'hommes et 52% de femmes, mais c'est plutôt une société patriarcale, selon Zen, dirigée par des hommes. C'est à peu près le même pourcentage et la même structure qu'ici sur Terre.
Leurs vêtements. Comme les terriens, ils aiment des vêtements confortables, blancs cassés en général, ou des vêtements de style tropical, et ils sont influencés par les terriens car ils portent des blue jeans, des t-shirts et des baskets, au moins ici sur Terre. Leurs activités, ils font du sport, enfin différents types de sport, et ils utilisent des technologies qui sont partagées par les Pléiadiens Tégétans du système Tégète. Leur système de reproduction, ils se reproduisent comme les terriens, mais les femmes ont un peu plus d'estrogène que les femmes terrestres. Ils ont entre 1 et 4 enfants par couple. Donc, ils vivent en couple et leur longévité est entre 750 et 950 ans. Leur concept de l'espace et du temps. Contrairement à la majorité des extraterrestres qui se repèrent grâce aux événements, les Vénusiens ont les mêmes concepts de temps et d'espace que les Terriens. Ils utilisent des horloges et portent des montres. Une année sur Vénus fait 241 jours. Vénus tourne donc plus lentement en contre-rotation autour du Soleil. Leur couleur préférée est le bleu ciel. Ils l'utilisent partout et pour tout et dans tout, y compris le logo de leur société vénusienne. La spiritualité, ils sont à peu près au même niveau que sur Terre. Ils ne pratiquent pas ou peu la méditation. Ce sont des artistes dans l'âme. Leur religion, ils sont influencés par les religions sur Terre, mais la leur est essentiellement un système de croyance en l'unité, en soi et ensemble. En tant que technologie avancée, ils ont les technologies du point zéro de type Tesla, le nucléaire non ionisant, des énergies marémotrices ou des éoliennes comme chez nous.